Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un petit peu de détente, on va faire disparaître de l'argent. Et oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emprunter un billet, on va l'envelopper et on va le faire disparaître sous les yeux des spectateurs. Donc si ça t'intéresse, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite à ce petit tour de magie. Juste avant de commencer, n'oublie pas que ton cadeau est toujours gratuit. Il est dans la description, il suffit de cliquer sous la vidéo, mais je t'en parle juste après. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va regarder à quoi ressemble ce tour. Alors pour ce tour, ça va être très simple. Je vais avoir besoin de trois choses. Une petite capsule transparente qu'on peut voir ici, voilà. Un billet que j'ai emprunté à un spectateur. Donc on imagine que je suis vraiment face à vous, je vous ai emprunté un billet, hein, que vous avez sorti de votre portefeuille. Et c'est pareil, de chez vous, une feuille de papier. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va emprisonner le billet que je vous ai emprunté. Si j'arrive à le plier, hop. Dans la capsule transparente. Voilà. Donc le billet est dans la capsule. Et ce qu'on va faire, c'est que cette petite capsule magique, on va l'emprisonner comme ceci dans la feuille de papier. Hop. Donc on emprisonne la capsule avec le billet. Et ce qu'on va faire pour être vraiment sûr d'emprisonner vraiment le billet, c'est qu'on va plier les deux extrémités comme ceci. Ce qui fait que là, on se retrouve avec la capsule, hein, que vous pouvez sentir, qui est toujours emprisonnée à l'intérieur. Maintenant, eh bien, je vais vous proposer d'ouvrir ce papier pour pouvoir aller récupérer votre billet à l'intérieur. Donc là, c'est vous qui prenez le papier. Et puis, vous allez pouvoir découvrir la capsule qui, malheureusement, ne contient plus le billet. Évidemment, j'ai rien dans les mains, je n'ai pas de manche. Et vous pouvez regarder la feuille dans tous les sens. Regardez sous le tapis, il n'y a plus de billet. Donc, je suis vraiment désolé, mais je crois qu'on ne reverra plus le billet que je vous ai emprunté. Alors voilà pour ce petit tour de magie, j'espère qu'il t'a plu. Eh bien, si tu veux, comme moi, apprendre à faire des tours de magie super simples, ça tombe bien, puisque je t'ai répertorié toutes nos explications de tours de magie sur notre blog. T'as juste à cliquer sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo et t'atterris directement sur la page où il y a toutes nos vidéos d'explications de tours de magie. Et en plus de ça, elles sont 100% gratuites. Donc vas-y, clique et fais-toi plaisir. Et comme je t'en ai parlé au début de la vidéo, notre e-book est 100% gratuit. Dans ce e-book, j'ai répertorié les 10 règles que j'ai suivies pour devenir magicien professionnel, les 10 règles que tu vas suivre pour te perfectionner en magie. Donc vas-y, fais-toi plaisir, c'est dans la description et c'est gratuit. À partir de là, il te reste 3 possibilités. Tu peux regarder notre dernière vidéo pour te faire plaisir en cliquant juste ici. Tu peux aussi cliquer ici pour découvrir tous mes autres tours de magie et te faire plaisir. Et si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma photo juste ici, ça me ferait vraiment plaisir et je te remercie d'avance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Eh bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.